Bonjour. Il y a du vent. Regardez le comportement d'un bateau de 12 kg, mais il y va. Avec celui d'un bateau de plus de 40 kg, le Cap Sizun en configuration électrique de notre ami Dom. Et là-bas, les voiliers s'amusent comme des petits fous. Parce qu'il y a du vrai vent. Alors le vent est un peu tourbillonnant, c'est pas facile à gérer. En avion, même en idant, je pense. Et il y a du clapot. C'est le dire, j'ai demandé tout à l'heure. Il a les ramener ça. Alors j'ai posé la télécommande à mes pieds, le bateau va où il veut. Mon bateau est là-bas, mais c'est l'avantage d'une télécommande. C'est que c'est pas parce que le bateau est loin qu'il obéit pas. Vous voyez, demi-tour. Avec le vent, tu vois, je vais accélérer un peu. T'as détendu, t'as vu derrière hein. Allez, je vais lui mettre un peu plus de gaz encore. De la pause là. Voilà, je suis reparti normalement. C'est mon siège, ça. T'as ficelé là à l'arrière pour aller descendre. Putain, merde, je suis du marche arrière. Le Cap Sizun à côté, regardez, le Cap Sizun ne bouge pas. Merde. Le mien se dandine ouais. Comme. Ah, un petit peu, j'exagère. Allez. Donc, un Cap Sizun. Non, mais on sait qu'on a la barque, on peut y aller. Ouais. Qui bouge un peu, mais alors là-bas, moi. La petite se dandine. Merci en tout cas. Et je reviens sur les voiliers parce qu'eux sont vraiment superbes. Alors les trois bateaux, j'essaie d'avoir les trois parce qu'ils sont vraiment côte à côte. Et alors là un quatrième, regardez. Un quatrième nous rejoint. Tout carbone. On rigole pas là. Compétition. Alors on a aussi du bateau de travail, du pêcheur, du offshore, du Riva Camera. Et moi du coup je sais plus où je suis moi. J'ai coupé et j'irai voir. Et voilà. Alors, ils arrivent à se rentrer dedans, bravo. Merci. Allez, je reviens sur les voiliers, regardez là, les voiliers, ça fasseille, pas évident pour eux. Hein. On est filmé les gars. Ah ouais, là, les enfants, vous avez intérêt à faire une belle nave. Oh, c'est joli ça. Une nave de formation, t'as vu. Ah, c'est superbe. Hein. Vous rentrez à la postérité là. Ouais. Et là, j'accélère, regarde. Ah, il y en a un qui a mieux joué que les autres là, ouais. Voilà, donc il y en a un qui a tout compris et les deux autres qui sont encore en train de s'en mêler, quoi. Ah non. Et là vous êtes retombé, mais c'est ça le problème du tourbillonnant, c'est que... J'ai beaucoup de froc avant qu'il y ait mal cuit. Avant qu'il y ait mal cuit. Oui, fais gaffe, c'est un cadeau. Hop là. Quand tu fais le tour de la bouée bleue, le premier arrivé à la bouée, il a vu à 20 mètres d'avant. D'accord, il arrive à la bouée. Les risées ne facilitent pas le... Tiens, là-bas, regardez, ça file. Joli. Donc... Même pas de franchement, la tribord, hein. La tribord de la bouée, hein. Voilà, bah écoutez, je vais essayer de retrouver mon bateau parce qu'à force de discuter, le mien a dû se planter dans les herbes quelque part, mais c'est pas bien grave. C'est l'avantage du lac. Oh là là, ça se rentre dedans. J'ai pas vu qui a tapé l'autre, mais il y a des histoires de priorité, je crois. Hein. C'est le bleu. Ah bon, d'accord. Bah vous voyez tout ça, vous le verrez dans le... Oh là là, puis ça se... Il y a quand même un peu de place, mais non, vous trouvez le moyen de vous rentrer dedans, c'est bien. Oh, mais la nature humaine, horreur du vide. Bravo à vous. Au revoir les amis. Merci.